on a eu des hélicoptères, il nous fallait aussi des chars. Plusieurs Afghans que j'avais filmés dans les montagnes sont devenus ministres et voulaient nous aider. Mais l'heure est au désarmement, sous contrôle américain. Philippe Gauthier, qui venait autrefois clandestinement aider la résistance, était notre directeur de production. Il savait qu'en Afghanistan, il ne faut jamais perdre courage. Et ici, on voit, c'est comme un cimetière, c'est un peu tout ce qu'il y avait dans le pan de fuir, tout ce que Massoud avait amassé, qui a été redescendu du pan de fuir ces derniers mois. Et aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir l'autorisation du gouvernement pour pouvoir remettre en état un certain nombre de ces tanks et de pouvoir donc les remonter dans la vallée du pan de fuir. Ça a été extrêmement difficile parce que personne n'a voulu prendre la décision. C'est la première fois dans l'histoire de ce désarmement que l'on ressort du matériel militaire qui était normalement sous contrôle des forces internationales ici en Afghanistan. Tout le monde avait peur qu'il y ait un incident, de prendre la responsabilité. Voilà, ça c'est la lettre de la victoire, on espère. C'est la lettre signée par le ministre de la Défense qui normalement nous délivre, devrait nous mettre à disposition le matériel militaire dont on a depuis 3 mois cherché à avoir. Voilà. Et grâce au général Khalid Rand, qui est devant moi, il nous a simplifié, nous a organisé toute la logistique pour pouvoir essayer de sortir tout ça aujourd'hui. Philippe était content, après des mois de pourparlers, livraison à domicile à l'Afghan. On pouvait renforcer le décor au plus près de ce qui avait été la réalité de la guerre. Construire une base soviétique, la rendre active, un choc pour les gens qui passaient près des lieux du tournage. Philippe était content, après des mois de pourparlers, livraison à domicile à l'Afghanistan.